Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode mercredi. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, vous êtes bien chez Direct Assurance. Un instant, s'il vous plaît, j'accède à votre dossier. Bon, allez, je vais vous parler du... Alors, je n'utilise pas ce micro, hein, il n'est pas branché, c'est juste pour la démo. Le meilleur micro pour faire des vlogs avec votre GoPro ou avec ce que tu voudras. Alors, le mot était un peu large, machin et tout, j'étais toujours en recherche. Pour en mode vlog, chercher, alors toujours problème de son, alors même si la nouvelle GoPro 7 est tellement géniale, pour 500 boules, 400 avec les promos et quelques, est tellement géniale, machin, mais bon, le son, c'est quand même pas génial, génial, si tu mets la caméra loin, si tu la mets sur le côté, machin, bah forcément, t'en perds un peu. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment de trouver le meilleur micro, alors j'avais déjà essayé un micro-cravate, qui fonctionne maintenant parfaitement avec la GoPro 7, alors apparemment, il y en a pour certains, la GoPro 6, je dis de la merde, enfin bon... Il y aurait même plus de gens pour qu'ils en mangent pas que l'inverse. Enfin bon, après, je dis ça, je dis rien. Bon, il faut quand même cet adaptateur à la con, là, qui vaut 69 euros. Il a baissé un peu. D'ailleurs, ça marchait tellement bien que la GoPro 6, tellement eu de gens qui étaient contents, qu'ils ont arrêté de la vendre. Qu'elle était hors site, hors vente. Hey, 69 euros, je te raconte pas la marge là-dessus. Donc, ils l'ont enlevé tellement que c'était... Tous les gens étaient trop contents. Donc, vous pouvez quand même le racheter maintenant. Ça vaut 69 euros. Vous mettez sur votre GoPro Hero... elle est où la 6, elle est là, la 7, voilà, alors là j'étais en train de brancher et tout, vous mettez sur votre GoPro Hero 7, là derrière, elle est reconnue automatiquement, tu pourras mettre soit un micro cravate que tu peux acheter n'importe où, soit ce genre de micro et tu verras tout de suite que ça a pas mal d'inconvénients. Un, c'est un micro genre, bah tu te prends pour Pepe Garcia là, carrément, au bout t'auras une prise jack qui n'a que le micro, donc un plus et une masse, hein, donc simplement, voilà, donc tu mets directement dans l'adaptateur de ta GoPro, ici, hop, ça fonctionne, tac, 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 voilà. Et c'est tout. Alors, mieux que des belles paroles, vous allez me dire, oui, mais alors, combien ça vaut, GLG? Ça vaut 1,50€ sur AliExpress. Oui, mais quel son ça donne pour 1,50€? Attends, attends, tu râles plus vite que j'ai le temps de cliquer sur les boutons. Ah, regarde, je vous ai fait une petite vidéo en extérieur, on va la regarder ensemble, même si, bon, j'ai regardé un peu en avance pour être sûr que ce soit pas trop pourrave. Oui, oui, c'est GLG, Greg le Geek. Bon, il y a un gros on va refaire avec un le peu le truc. Alors l'idée, c'est de prendre un peu le micro, de se mettre en double configuration comme ça. Alors bon, là, je suis en mode un peu Direct Assurance, on est d'accord. Même c'est pas une vidéo sponsorisée, on est d'accord. Mais simplement pour juger un peu du micro. Vous voyez, là, je peux me mettre quand même super, super loin. Je peux le poser sur la table. On va essayer de regarder un peu ça. Et si je le mets sur la table ici, la caméra ici, je me mets un peu près droit comme ça. Je m'éloigne, et du coup le son doit toujours être à peu près carré. Bon, là la configuration est plutôt pas mal pour se mettre comme ça en face cam, bah du coup GoPro 7 stabilisation de la mort qui tue. On peut se mettre comme ça éventuellement en mode arrière, voilà, quand on marche et tout, c'est pas mal. Après, moi je suis pas très très fan du casque, du masque comme ça, mais je serais plutôt, voilà, de le mettre comme ça, là devant. Là c'est bien, c'est que du coup ça permettrait de se mettre en mode moto, par exemple, bah, mettre le casque par-dessus, et le micro là, de pouvoir marcher. Alors c'est vrai que j'ai un micro cravate, mais le micro cravate est un peu moins pratique parce que du coup ça frotte la chaîne, le truc qui monte, il descend, ça frotte et tout. Bon là au moins on est sûr qu'il est devant. C'est quand même plutôt directif avec la moumousse comme ça. Et puis du coup c'est vrai que ça pourrait être pas mal parce que même en marchant comme ça, du coup on marche. Stabilisation, putain, ça à chaque fois ça me fait cet effet là, voilà. Donc du coup on marche et on a carrément le micro qui est derrière. C'est pas mal. Si vous entendez pas l'autre con avec sa tondeuse là, même si en fait il a commencé là-bas dans les vidéos et il continue et là il est en train de tailler les haies jusque là-bas au bout. Voilà. Bon allez, vous me direz comme toujours en commentaire ce que vous avez pensé de ce micro. On se retrouve en studio et puis on continue pour un peu le bilan quoi, parce que là faut que j'écoute. Voilà. Bon, on est d'accord qu'il y a un gros décalage entre l'image et le son, mais après ça vient du logiciel, la compression, machin et tout. Bon, on me pardonnera de moi-même, mais chose qu'on peut remarquer, c'est que pour 1,50€, ça fait grave de chez grave bien le taf. Voilà. Alors après, c'est vrai que je suis assez convaincu de la configuration comme ça. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est que, bon, on l'a déjà vu avec le micro-cravate, il est ici, le son est déjà quand même plutôt pas mal. Alors, peut-être pas trop le mettre comme ça devant la bouche, comme ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a un effet l'effet peu, en effet, qui est un peu trop dominant. Mais en le mettant un peu comme ça, en bas, là, comme ça, bon, bah, tu secoues, t'as un micro qui est bien polyvalent, qui te suit un peu, qui est un petit peu déporté et qui fait bien le taf pour ces 1,50€. Je suis convaincu que vous trouverez peut-être mieux pour plus cher.
Et encore, c'est pas pire pour plus cher, oui. Après, mieux, oui, forcément. Mais voilà. Donc, je trouve que pour 1,50€, ça fait très très bien le dossier. Après, ça permettra pour ceux qui sont un peu en moto comme moi. Bah, vous pouvez le mettre comme ça. Vous mettez votre casque par-dessus. Vous mettez dans votre casque de moto. Là, vous le coincez un peu dans le côté. Hop là, sans dire de le mettre directement dans votre bouche. Devant votre bouche. Pas trop. Mais comme ça, voilà, vous mettez dedans, machin, ces trucs. Et comme ça, si t'enlèves le casque, hop, t'as vraiment le mode où tu peux. Ça me donne plein d'idées. Et je pense que toi aussi, ça va te donner plein d'idées. Alors après, est-ce que vous êtes obligé d'acheter la GoPro 7? Non. Est-ce que ça marche avec les téléphones? Je suis pas sûr. Parce qu'il y a pas mal de téléphones où ça marche pas. Moi, je sais que le mien, ça marche pas. Tous les Xiaomi, ça fonctionne pas. Les Samsung fonctionnaient très bien avec les prises jack et tout. Mais apparemment, pas les Xiaomi. Donc, il doit y avoir un espèce de problème de brochage. Mais on va partir dans la configuration où on est quand même dans du titre très putaclic. Pour la GoPro Hero 7, c'est facile, c'est marqué, il y a 7 sur le côté. Smooth Criminal, tout, machin et tout. Pour la GoPro Hero 7, c'est quasiment une des meilleures alternatives, plus le micro-cravate. Alors, il faut acheter 69€ et le micro 1,50€. Donc, alors après, il paraît qu'il existe des génériques, machin et tout, je sais pas. Si vous avez des liens de génériques, mettez-les moi en description. Au pire, on verra, on leur fera un mail, peut-être on pourra leur demander un pour faire un essai, machin et tout, on verra. Mais ça fait quand même plutôt bien le taf, on a un son qui est tout à fait honorable, on a un truc qui est quand même relativement mobile, avec ça, il te manque plus qu'un petit, une petite perche avec une petite peluche, et tu peux driver un peu les Chinois, par exemple, mais non, avec un micro chinois. Non, non, mais c'est bien, tu vois, juste en le mettant, par exemple, déporté comme ça et tout, tu peux déjà avoir un truc qui est bien, tu vois, hop, il te suit et tout, c'est pas mal, c'est vraiment, moi, c'est vraiment le micro qu'il me fallait, et je suis content que le résultat pour 1,50€, je vous rappelle, est quand même plutôt correct. Encore une fois, on est sur du vlog, on est sur de la voix, machin et tout. Il y a une seule prise jack. Après, il y a un pas de vis au bout. Je sais pas si tu vas arriver à la voir. Il y a un espèce de pas de vis que tu peux apparemment. Je vais y arriver, tu vois. Non, hein. Non, c'est pas fait pour ça. Hein. Ça reste une webcam. Bon, il y a un pas de vis, apparemment, il doit y avoir d'autres solutions comme ça. Mais voilà, vous me direz, comme toujours, avec les 3R, un petit C, cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, si vous connaissez des gens qui cherchent un micro ou un micro déporté comme ça. Enfin, c'est génial, enfin, 1,50€, je veux dire, c'est le meilleur investissement de l'année. Hein. Ah bah, bon, 500€ de GoPro, 69€ d'adaptateur, mais alors le micro-casque, 1,50€. Ouais, comme quoi, il faut savoir, il n'y a pas de petites économies. Tu peux me laisser un commentaire pour dire ce que tu as pensé de ce micro, si toi tu trouves que c'est vraiment bien, qu'il ne faut pas le mettre devant la bouche, machin et tout. Bon, truc que j'ai déjà dit, mais comme c'est toi qui le dis, forcément, c'est mieux. Le R de pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, le pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo, bien évidemment. Un petit café, par exemple, si t'as envie de dire merci ou de rejoindre un petit peu la grande famille des tipeurs, tu peux aller me payer un petit café sur Tipeee, voilà, 1€, voilà, un petit café comme ça, et tu rentres dans la famille, t'auras les vidéos avant tout le monde, ton nom dans les crédits, ton nom qui défile, machin et tout, et tu rentreras dans cette grande famille du JT Geek et de GLG Vidéo. Je rappelle, on reçoit des produits des fabricants, on leur demande pas d'argent, mais on reste intransigeant, mais ça tu la connaissais déjà, bien évidemment. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, demain c'est moto et après-demain c'est re-accessoire. J'ai de la station météo que j'ai reçue, j'ai de la dashcam là que j'ai reçue pour voiture, machin et tout. J'ai une station météo, j'ai un réveil radio qui projette des lasers au mur avec l'heure et j'attends d'autres trucs là apparemment aujourd'hui, je vais être livré aujourd'hui. Je vous en dirai peut-être un peu plus dans le live de ce soir, enfin de hier soir du coup dans la quotidienne, parce que là on est mardi pour la vidéo pour mercredi. Paix et prospérité, bonne journée, allez, kiffez bien, un petit like, ça fait plaisir, puis un petit café, oh, c'est le top. Paix et prospérité, bonne journée, il est là le café. Pour de vrai, là, à cette heure-là, c'est un vrai café. Bye bye.